Sup les petits amis, donc ah bah non ça, j'ai dit que je changeais d'intro. Faudrait que je trouve une nouvelle intro pour dire non voilà dans un nouvel épisode de Destiny. C'est chiant, je trouve. Hein, est-ce que t'es d'accord? Pourquoi? Pourquoi tu veux te changer d'intro? Je sais pas, j'ai envie de changer un peu de voilà quoi. Il faut un petit peu de modification, de voilà, de Ah, tu changement. dis C'est bien, c'est cool. salut bande de connards! Et ouais, c'est bien ça, là, Antoine Daniel, c'est parfait. Alors Antoine Daniel, ouais non mais c'est un peu plus violent Antoine Daniel. Ouais, mais je trouverai des trucs, t'en fais pas. Bande de vers de bite. Voilà, c'est parfait ça. Alors j'espère que vous allez bien, après vous avoir bien insulté. Donc toujours sur Destiny en compagnie de Pèlerin29, putain de Salut. micro. Et donc je sais plus, ça va être l'épisode 19, 20, un truc dans le genre. 32. Ou 49, je pense, quelque chose comme ça. Cela Et donc on cesse a des été prisons, à on reste aller tranquille voir entre les deux Varix au surprises. récif pour savoir s'il a plus de Enfin, détails chaque sur jour Skolas. passe, l'affaibli Ah oui, c'est vrai qu'il y a davantage. toujours une petite citation de merde, j'aime bien ça. Suite à la bataille d'Iris, les loups, désormais Nephi, ont frappé Iji et saccagé ses bibliothèques. Ce fut le début de la guerre du récif, la marine. Eh bien, à première vue, hein, il vaut mieux éviter de saccager les bibliothèques. Hein. C'est ce qu'on en retient. Nous avons Parce que porté ça mène à des guerres. d'horribles loups. Donc les personnes qui aiment pas les Pour bouquins, qui comme moi par sait, exemple, bah l'avenir. il faut se retenir quoi, c'est tout. Hein. C'est compliqué, j'avoue. Il faut savoir se retenir. Qu'en dis-tu? J'ai pris ceci dans le Je n'ai rien ventre compris. de l'âme. D'accord, on l'a perdu, c'est cool. Ah, C'est c'est pas faux. fini. Quête accomplie. Ah, ça c'est marrant parce que là c'est une citation cette fois en anglais. Et donc je la lirai pas. D'accord, Shadow. She said, je crois. Ok, on s'en fout. Pourquoi là c'est en anglais? Pourquoi là ils l'ont mise en anglais, je crois Parce pas. que les déchus ils parlent en anglais. Ah d'accord, c'est pour ça. Alors traquer ce que là c'est les loups déchus. Non, les loups Les déchus loups sur sont Vénus, retournés la sur grande machine Vénus. s'enverra dans sa puissance. Il viendra pour le couronner, lui, le cal de tous les cales. Prophétie de la maison des pluies. Et ils, en fait ils ont des maisons pour tout en gros, hein, quand on. Voilà, parce que la maison des pluies, c'est encore une nouvelle maison, j'ai l'impression. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Traquer Tanix, le Il est balafré sur la lune. Oui, impossible de c'était. savoir ce Bah, qui c'est la première passe. fois que t'entends maison des pluies quand même. Maison des pluies, oui. Oui, d'accord. Les déchus semblent fascinés par les machines. Tanix cherche à en devenir une. D'accord. À l'aide d'un plan chirurgical rituel. Cool. C'est bien. Bien, mec. Alors, eh bien, c'est parti. Tu as ton équipement, c'est bon, tu as tout. On peut y aller. Est-ce qu'on J'ai peut y aller? tout. Allez, on J'ai y tout sur va! moi. Ah, j'ai oublié mon code Miché, Oh, vite. mince! Ah, tu me prêteras le tien. Donc normalement il y a une des deux missions qui est un assaut et donc on fera à la fin. C'est-à-dire qu'on va vraiment continuer les missions réelles, on va dire entre guillemets, et on finira par tout ce qui est assaut et puis la surprise. Mais Oui. je crois que j'en avais déjà parlé. En fait j'ai dû le dire dans une vidéo qu'on allait faire de l'arène, je pense. On a Donc droit voilà. de Et puis si je l'ai finir pas avant. dit. On a droit de finir avant de faire l'assaut. Oui, bah moi je pensais faire comme ça. Hein. Non mais je sais pas. Je vérifie C'est. que. Ah oui, non, tu veux dire ce qu'on. Oui, t'en fais pas, on n'est pas obligé de faire l'assaut. Ok. D'accord, donc l'assaut c'est celui-là. Donc, eh bien c'est parti pour la mission. Alors, la manœuvre des loups. Pister Skolas et ses loups le long des falaises d'Ishtar. Eh bien, la fois, c'est parti, mon petit kiki. Donc, toujours en difficile, on est d'accord? Non, hard. Ok! Suis fatigué, moi. Je sais pas ce que j'ai. Branlette sur YouPorn, non? Normalement, ça fatigue un peu. Bah et au bout de 3 en une matinée. Ah oui, quand même, c'est chaud. La maison des loups est en marche. Ils encerclent les bastions Vex un peu partout dans la dépression d'Ishtar. Tous les soldats à ses ordres sont mobilisés. Soit Skolas est devenu complètement fou, soit c'est un stratège de génie. J'aime être sur le terrain, mais la chasse doit prendre fin. Et vite. Ok. Good. Je me souviens plus de celle-là. En fait, je me souviens des deux autres qui m'ont arrivé juste après. Je crois que. Bah, si, celle-là elle est super bien. C'est quand ils attaquent le caveau de verre. Skolas a dit. Attends, là on n'est pas dans un événement où il faut qu'on tue. Tous les cales. Les maisons disparaîtront. Tous obéiront au ouais, 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 regarde, y a pas regarde. ça. Ouais, le serviteur là. Putain, et c'est Ouais. parfait en plus, on est sur un bel événement, ça va nous faire du bien. Et voilà! Hop, la clé des terres. Vite le coffre. Attends, Ah on a oui, une. ça.
Par contre, j'ai l'impression que j'ai pas eu la carte de grimoire. Pourtant, lui, je l'ai jamais tué. C'est bizarre, non? On est trois, hein. Il y a le mec là qui est avec nous. Enfin, on est trois, je l'ai pas avec nous. Il est là, il est là. Comment je fais pour lâcher ça en fait? Voyons voir ce qu'on a dans ce joli coffre des terres. Ah, un engramme légendaire. Ah, une clé. Non, je connais. J'aurais tellement aimé. Ça marche plus le bug, hein? Non, ça marche plus. Non, ça marche pas. Donc, oui, normalement, j'étais censé avoir une carte de grimoire, non? Me semble-t-il. Bah, non. Mais ouais, tu d'accord. L'as peut-être fait? Non, je l'ai jamais fait, lui. Ah, bah, serviteur comme ça, non, ça m'a bien. Et pour ce que tu disais par rapport au caveau de verre, je crois que c'est la mission d'après, en fait. C'est ce qui me semble. Donc, c'est pour ça que c'est la vie, je me souviens plus trop. Bah, bon, on va y aller. Je suis même pas sûr qu'on soit vraiment obligé de tous les tuer, mais ouais. Donc les petits amis, vous venez d'assister à un nouveau type d'événement parce que je crois qu'on n'en avait pas encore fait jusqu'ici là dans les let's play, il me semble. Non. Ouais, je pense que voilà. Qui fonctionne un petit peu comme les événements de Cropta avec les épées. C'est un peu la même chose, en gros on se fait attaquer comme des porcs. Ils sont chiants à parler. Hein. Quoi qu'il cherche à faire, je n'ai jamais vu ça auparavant. Il est fou. Non, t'as raison, c'est peut-être le caveau de verre, je sais pas, on va voir. Donc oui, voilà, en fait, il y a plein de déchus qui nous attaquent, et à la fin, il y a une sorte de chef déchu. Ça peut très bien être un serviteur, comme on l'a vu là, comme un vandal, ou un rebut, ou un capitaine. Et on nous file une sorte de clé d'éther qui nous permet d'ouvrir un coffre, qui permet d'avoir des récompenses. Voilà. Que pendant une minute, on... Mais t'as dû monter. Oui, c'est caveau de verre. Oui, c'est caveau de verre. Donc là, ce que je conseille, en effet, c'est de monter directement. On va les zapper eux. Hein. Ça sera mieux. Bah même. Donc oui, là nous nous dirigeons en effet vers le caveau de verre. Hein, donc le raid. Hein. Non, ce que je vous rassure, on va pas faire le raid à deux. Bien que. Ça aurait été sympa. Bien que ça aurait été sympa. Ouais, je suis d'accord. Ah bon, tu pourrais vraiment attendre. Tu sais, moi, je suis encore dehors là. J'arrive, mais. Je t'attends en bas. Ah c'est vrai qu'il y en a vraiment partout, j'avais zappé ce truc là. Tiens, je me suis foutu en solaire. Ah bah oui. Je sais pourquoi, d'accord. Ouais, je suis resté en solaire, c'est pas grave. Oui, apparemment. Apparemment, tu t'es mis en solaire, oui. Oui. Bah oui, j'avais envie de bronzer. Oh mon dieu, va y avoir des plateformes. Je suis en train de repenser là que j'ai un arcaniste non. Là. Dieu. C'est pas lui, c'est au prochain. Oui, non, je sais, mais même là, tu sais, il y a des sauts un peu compliqués pour l'arcaniste, on va dire. Facile pour tous les autres, hein, mais compliqué pour l'arcaniste. Il y a des sauts à la con. J'ai toujours bien réussi avec l'arca, c'est le chasseur le plus dur. Les rapports des corbeaux du prince Uldren mentionnent la technologie présente dans le caveau. Pour info, je me suis pété la gueule. Hein. Terrifiante. Ah merde. Putain. Non mais attends, Radiance, c'est bon. Attends. Bon bah. En même temps, c'est vrai que t'étais haut. Je déteste vraiment le saut de l'arcaniste quoi, c'est fou. Mais attends, c'est peut-être moi. Hein. Il y en a plusieurs, est-ce que t'as mis le dernier? J'ai mis le. Voilà, je vais te dire ça, attends. Le dernier c'est quand même le mieux. Hein. Vol équilibré, non c'est pas ça, c'est un. Attends si c'est ça, vol équilibré. C'est le dernier. Le troisième tout en bas. Ouais, ouais c'est ça. Oui, bah c'est lui que j'ai mis. Oh là là. Mais en fait, c'est parce que c'est un peu bizarre. Il stagne un peu sur place. Enfin, j'ai du mal avec son saut. Attends, on peut descendre. Hein. Non, tu veux tuer un petit peu tout le monde là tranquillement. Ah, y a un mec qui tient en bas là. Collecteur. Ah, d'accord, bah t'es descendu. J'arrive. Derrière toi, un collecteur. I protect you. Tu peux même pas faire des instants héroïques. Je prends mon vision des confluences, même s'il sert à rien. Parce que... Quelqu'un est mort chez moi. J'ai l'impression qu'il y a eu un meurtre. Oh là. Ah oui, c'est vrai, c'est compliqué, c'est cool ça. Les loups veulent exploiter les oracles. Avec les visions, il n'y a aucun souci. Détruisez-les, gardiens. Vas-y, tu le détruis. Ouais, tranquille. Tranquille. Ah oui, non, tu parles du. Oui, voilà, oui. On va détruire des oracles, ça c'est super chiant. Ouais, je m'occupe des oracles, moi, tout de suite. Oh bah non, mais quand même. Je sais l'or qu'ils apparaissent. Un oracle. Détruisez-le. Détruisez-le.
Donc je ne sais pas si vous avez vu mon petit tuto du coup sur le cave vert, mais bah, y a un moment où on est justement à cet endroit et il faut qu'on détruise des oracles. Et donc pour info, si on ne les détruit pas, eh bien on meurt. Voilà, tout simplement. Et quand je dis si on les détruit pas, c'est-à-dire qu'en fait ils restent pas à l'infini, voilà, tout simplement. Voilà, le dernier... C'est bon, il a tué. Maintenant il y a deux cibles maintenant. C'est pas trois ? Me semble-t-il ? Me semble-t-il ? Il arrive. Non ! Ok ! Le connard par excellence. Pouah ! J'adore ce rocket. Moi, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas l'avoir. En plus, il a 10 munitions ce rocket. Bah, sauf que tu peux pas les recharger. C'est le côté un peu négatif de la chose. Par contre, je me fais niquer là comme un malade. Hop, truc de fou. Collecteur, vous allez vous en prendre plein la gueule. Me faire tuer par un collecteur. Est-ce que tu aurais pensé ça possible avant? Avec les collecteurs d'avant, c'était impossible. C'est ceux qui vont exploser qui t'ont fait mal? Non, c'est ceux qui snipe, il me semble. Hop là, c'est quand même un vaste bordel. La vache. Non, c'est pas tout ça. T'inquiète, je vais te sauver. Oh, et t'as foutu une bulle. Je vais utiliser une belle roquette pour rien. C'était cool. Vas-y, on le prend. Vas-y, et on le tabasse. Vas-y, on le tabasse. Vas-y, fais-moi 2€ là. On l'a pris en sandwich. Oh, on l'a pris en 12 temps quoi. Il nous a cherché l'enculé. La mission qu'aura duré 2 secondes. Des oracles pour puiser dans le réseau des Vex. La situation est grave. Si les déchus ont accès à la technologie Vex, le système entier sera en danger. J'ai envie de te faire un câlin. Les choses sont simples. J'ai pas de terre pour en essayer, petit. Nous arrêtons Skolas. Le calme de tous les calmes, où ce sont les loups qui nous arrêteront. Hola ! Oui, monsieur. Ah bah, il faut qu'on retourne au récif en plus. Me semble-t-il. Ouais. Bon bah oui, en effet, c'était le caveau, mais il me semble qu'il y a un truc entre deux. Je sens le coup de pute. Un petit peu comme le fait que j'ai pas eu de carte de grimoire, je sens le... Résumé de la mission, 7 minutes. J'ai le pif pour les coups de pute. Oui, bah oui, c'est clair, elle a pas pris longtemps. Hein. On peut aussi les faire en mode rush, mais bon, ce serait pas marrant, je trouve, pour les petits amis. Ça ne serait pas marrant du tout. Alors, c'est parti, donc on retourne au récif. Récemment. Je pense que ce qui va prendre le plus de temps, c'est le chargement. Oui, vas-y. Récemment, j'ai vu une vidéo de speedrun sur Cropta. Il le fait en 11 minutes. Seul, en solo. L'ensemble ? 11 minutes. 11 minutes. Ben, je réfléchis, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal 11 minutes. Oui, voilà, bon, la première étape est Cropta, ça peut aller très vite. Après, il utilise quand même des techniques des fois. Par exemple, juste après qu'il a tué la sirène, il se tue. Comme ça, il recommence direct à Cropta. Oui, bah oui, mais ça en même temps, c'est normal. Enfin, genre, c'est même ce qu'il y a de mieux, ouais, au final. Pour éviter de perdre du temps. Mais voilà, il a des. Sur la première chasseur. Étape, il monte sur le rocher, il saute. Ouais, en chasseur. Mais c'est marrant, de la manière qu'il saute, il met la téléportation. Et il a même pas besoin que la lampe explose, il saute en se téléportant et il arrive en haut. Tu te demandes comment. D'accord. Ah, par contre, c'est Cropta normal. Du coup, rassure-moi. Oui. Ok. Oui. J'étais en fait un petit peu en train d'imaginer Cropta, je me suis dit. Non. Non, on va pas faire ça comme ça. Alors, c'est parti mon kiki. Bonjour madame, comment allez-vous? Mais enfin, c'est impressionnant quand même. Bah, j'imagine, ouais. Je suis d'accord. Pour chasser Skolas dans la dépression d'Ishtar sur Vénus, la paladine Riff força les vaisseaux de Drevis à se diriger sur le chemin de Bamberja. D'accord, je croyais que c'était. Ok, c'est le nom du truc. Le catch de Drevis fut détruit et elle et son haut serviteur fut capturé.
très intéressant l'histoire qu'il nous raconte, mais j'ai l'impression de lire du charbien. Mais la reine craint que Scolas ne prend pas un seul mot de ce qu'il raconte, c'est fou quoi. Eh bien c'est parti, tu as pris la quête ? Est-ce que t'as pris la quête ? Oui, c'est bon. Ah, il a pris la quête ! Ah, il a pris la quête ! Il a pris la quête ! Putain, y'a des gens qui font des trucs bizarres là au fond, là-bas. Là. Essaye de sauter sur un... truc. Ouais. Une femme ? Non, c'est... Ah, je me dis, t'aurais peut-être pas dit truc, c'est un peu violent quand même. Oh, ça dépend ! Ça dépend, hein. La belle-mère, par exemple. L'enfoiré, quoi. Ah, la belle-mère, tu l'appelles l'enfoiré, toi. Ah, non. C'est sympa comme... Mais, ouais, c'est pas mal. La prochaine fois, ouais, je vais peut-être appeler comme ça. Non, je déconne, belle-maman. Je sais que vous ne regardez pas mes vidéos. C'est dommage, d'ailleurs. Je pense que vous éclateriez. Sinon, dédicace. Voilà, exactement. Alors, suivez Scolas en territoire avec, c'est tenté de le capturer pour le remettre à la reine. Ça serait la dernière ? Oui. Oui, c'est la dernière. D'accord. C'est marrant parce que j'étais sûr qu'il y en avait une entre deux. Bizarre. Bon, bah écoutez, les petits amis, à la première vue, on va se taper la dernière mission. Truc de malade, quoi. Truc de fou. Mais avant ça, un bel écran de chargement. Allez ! Alors, les écrans de chargement. Oh, yeah. Alors, on danse. La reine m'a donné de nouveaux ordres. Elle veut que Scolas soit capturé vif. Cela devrait compliquer un peu les choses, mais je me dois d'obéir. Vous serez à notre avant-garde. Descendez, trouvez-le et coincez-le. Je serai à proximité avec l'équipe de capture des corbeaux du prince Uldren. C'est bien ça. Petite phase avec des plateformes. Moi je l'adore, sérieusement. Je l'ai fait avec mon arca, ça passe tout seul. Je suis avec mon équipe dans un canyon à quelques kilomètres de la citadelle. Quand vous le trouverez, nous serons là. Ok madame, et c'est parti. Attention. Waouh. Ah, elle a des déchus avec la technologie Vex. Ouais, ça c'est un truc de malade. Peut-être cherchait-il des armes pour donner à ses loups la même artillerie que les Vex. Si Scolas croit être le Kal de la prophétie, son rêve finira par les armes. Oui, monsieur. Ok, monsieur. Putain, truc de fou. Des Vex ! Des Vex ! J'attends les Vex. Chut, tu vas les vexer. Oh ! Ah ! Oh, des minotaures ! Oh, boum ! Oh, boum ! Oh là, Maro, là ! Non. C'est trop rapide, tout ça, trop rapide, putain ! Attends, je suis perdu, là. Ah, on va quand même pas s'embêter avec deux minotaures. Non ! Si t'es perdu, tu me suis. Ok. Quoi qu'il cherche, j'ai pu localiser son signal. C'est tout là-haut, au sommet de la tour. Mettez-vous en route, gardien. Et boum. Oui, madame. Oh là. Attends. Ouais, non, je suis en train d'afficher ce que j'ai mis en difficile. Mais oui, ils sont niveau 30, donc j'ai mis en difficile. T'aurais dû mettre en 32. Ouais, parfois. Je suis en crack. Ah, merde. Oh là, ils font mal. Ils tirent tous dessus en même temps. Ah, y'en a un derrière ou quoi ? Ah oui, eh. Tu joues pas avec moi, ok ? Il y a une forte distorsion gravitationnelle à votre endroit. Ok ! Là, il y avait des petits collecteurs là. D'accord. Radical comme solution, mais oui, ok. Moi je dis plus, hein. À part que je vais peut-être m'en prendre plein la gueule. C'est plutôt bien parti pour, hein, première vue. Oh là Maro. Oh là là. J'adore les mecs qui te font dessus comme ça. Pistolet. Oh yeah. Attends, je veux que du snipe, il commence à m'énerver. Il est mort. Parce qu'il commençait aussi un peu à m'énerver, mais Mais bon, moi je suis un peu pacifiste, alors. J'évite de tuer les gens. Quand je peux, parfois c'est inévitable, hein.
Oh là, t'as vu ça? Ah, attends, Est-ce que tu as vu ça? Je te laisse l'activer vu que... Est-ce que tu as vu ça? Quand même. C'est magnifique. Tous ces corps de Vex. En fait. Donc, alors ça, par exemple, vous voyez, c'est ce qu'on a tué au caveau de verre hein, hier soir. Environ. Bon là, il manque un témoin, il va être tout en dessous là. Il y en a encore plein par terre, encore en plus. Ah bon. Pas dans le trou. Ah oui, eh ben écoute, j'ai jamais regardé ce trou en effet même. Ouais, c'est pas joli à voir. Hein. Moi je regarde toujours tous les trous en détail. Oui, bah t'as raison, vaut mieux. Histoire de pas louper grand chose. Ah mais c'est mon petit spectre en plus. Ça fait longtemps qu'on l'ait pas eu. Ça a un spectre. Et c'est cassé, enculé. Ah on peut pas monter plus haut que ça. Où est-ce qu'il est? Mais qu'est-ce qu'il fait? Je visite, vieux, je visite. Qu'est-ce qu'il fait? C'est parti. Allez, ça arrive, faut sauter. J'étais un scribe de la maison du châtiment. J'étais auprès de Skolas pendant la guerre du récif. Désormais, je suis auprès de vous pour châtier ce même Kal. C'est... juste, j'imagine. Okay. Oh! On le fail! Aïe 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 aïe. Non, je te raide. Oh le joli fail! Attends, non, parce qu'en fait, tu attends qu'il apparaisse. Voilà. Ah, c'est bon. Ouais, non, mais tu vois, c'est vraiment trop facile quoi. Moi j'adore hein, les sauts comme ça, ça me fait kiffer. Ça me fait même bander. Attends, il est où l'autre déjà? En bas. Oh là là, le saut de l'arc. Et là tout droit. Tout droit. Oh, ouais, chier. Oh. Ah. L'empreinte laissée par vite, le premier. Correspond à celle du caveau de verre. Ces machines peuvent émerger dans notre espace-temps. Faites attention. Comment ça, non? Tu l'as eu en plus le premier, t'es juste derrière moi. Mais oui. Ça devait être très juste, mais bon. On a dû être juste quand même. Moi, il est en face. Ah bah ça va, ça s'est mieux passé que j'aurais pensé. Mais ça passe tout souvent. Quoi? Gardien, je détecte. Ils sont beaucoup plus violents. Dans le caveau. C'est pas faux. Enfin, c'est surtout l'atterrissage qui est plus difficile. Donc là, en effet, vous voyez les déchus qui utilisent la technologie des Vex pour se téléporter. Je trouve ça abusé. Perso. Un jour, ils auront toutes les capacités. Ils auront les boucliers des cabales. Ils se téléporteront. Ah, ça a été marrant. Hein. Ah, c'est... ah, voilà. Je cherchais partout, oui. Un petit déchu, tu sais, qui a la double épée là, qui aurait une épée et un bouclier. Je kifferais. Machin invincible. Monsieur le capitaine, là, si ah, avec 4 bras, donc il peut encore se tirer dessus tout en se protégeant avec le bouclier. Oh putain, ouais, truc de malade. Par contre, depuis tout à l'heure, le capitaine il nous fuit un peu là. Hein. Putain, c'est fou quoi. Lui, c'est monsieur le mauvais joueur de PVP. Oh là, oh la maro, des serviteurs, des hauts serviteurs. Ah oui, non, c'est vrai, il faut qu'on avance. Oh yeah, oh yeah. Ouais, moi je danse, je me tire dessus. Arrêtez d'être violent comme ça, vous. Il est où ce petit. Bah, normalement, il était juste à côté de toi en fait. Ouais, mais il s'est téléporté. Putain, attends, je dois reculer parce que je m'en prends plein la gueule. Neutralisez-le. Ok, calme-toi. Oh l'enfoiré. Oh, il est juste là. Putain, prends-toi ça. Non. Ah, il était sur moi, d'accord. Je pouvais toujours le chercher. Oulala. Oulala. Oui, c'est fini. Ici Marasov, reine des éveillés. Gardien,
Lors de votre première visite dans votre quête du Jardin Noir, je ne voyais en vous qu'une particule de lumière égarée bien loin de son voyageur. Je sais maintenant que j'avais tort. Je vous remercie et je vous promets une digne récompense. Petra, apporte-moi Skolas. Il y a un truc bizarre quand tu viens par là. J'ai presque de la pitié pour Skolas. Les interrogatoires de la reine peuvent être musclés. Quoi qu'il en soit, ah, ça tremble, non, Papa? Oui, parce qu'il y a un vaisseau dessus, en fait. Il y a même plusieurs vaisseaux dessus. Regarde. C'est juste pour ça que ça tremble, en fait. Dont un gros. C'est cool, elle a été remerciée par la reine. Elle a dit qu'on sera justement récompensé, je crois, quelque chose comme ça, non? Oui, moi j'ai même entendu pip, mais... Ouais, c'est exactement ce que j'ai entendu au moment où elle a dit justement récompensé. Ah, cette petite salope de reine. Je me taperais bien. Putain, c'est long, des puissants continuer. Eh ben, ok, c'est parfait, je trouve, au niveau de la durée de l'épisode et de la fin de l'histoire. Un petit bain en mousse. Il y a combien de temps? 26 minutes, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. On aura été assez rapide. Hop là, on va rendre tout ça. Donc oui, du coup, c'était un petit peu la fin. Hein. C'est bon, on a capturé Skolas. Bon, ne vous inquiétez pas, il y aura encore, du coup, je pense deux épisodes. Hein. Je sais pas si c'est d'accord comme ça. Un sur le, même si ça dure pas forcément longtemps, mais un sur l'assaut et un sur la reine. Parce que la reine, ouais. À mon avis, ça va durer quand même un peu de temps. L'assaut pas forcément, mais je pense que faire un avec les deux c'est un peu chaud. On va plutôt faire ça comme ça, je crois. Et puis un niveau 35 aussi, non je rigole. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? À deux. Exactement. Alors, juste pour info, au niveau en fait de l'arène, on va vous en faire une, donc du coup pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Mais en fait, c'est différent chaque semaine. C'est-à-dire que, enfin vous comprendrez quand on fera l'arène. Mais les objectifs sont différents, les boss aussi, mais bon, on va pas pouvoir tous vous les montrer parce que il y en a, il me semble, un peu beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà, et puis vu que ça tourne par semaine, c'est compliqué. En fait, ça tourne par semaine et par niveau. En plus. Ouais. Parce que du coup, 32 n'est pas le même que 34, 34 n'est pas le même que 35, etc. Donc voilà. On vous en montrera un. Tout simplement. Parce qu'on est gentil. Mais pour ça, abonnez-vous à ma chaîne et payez-moi 100 euros. L'enculé. Alors. Ça a été un succès. Varric se souhaite vous féliciter. D'accord. Et toi, par contre, non, Petra, que dalle. Toi, tu dis, va te faire foutre. La campagne d'Hilda avait deux objectifs, briser le siège de Skolas sur Pallas, ça rime, et positionner les corbeaux en vue d'une expédition vers Jupiter. Ok, toujours la Maraïde, décidément, celle-là. Ok, alors qu'est-ce que tu veux, Varix? Ce qui paraît, tu veux nous parler? Je veux te féliciter, c'est tout. Ah ouais, d'accord. Oh, petit trésor! Varix souhaite vous féliciter, la campagne d'Hilda avait deux objectifs. Ok, c'est la même chose, quoi. On s'en fout. Voilà, une fabuleuse clé du trésor. Alors... Du coup, techniquement parlant, en fait, vous verrez pas vraiment à quoi elle sert, puisque je l'aurais sûrement utilisé avant qu'on fasse l'arène de combat. Voilà, mais je vous montrerai techniquement à quoi elle sert, en fait. Sans le faire, tout simplement. Oui. T'es méchant. Un peu, mais je pense que je vais pas arriver à attendre de faire l'épisode pour utiliser la clé, tu vois. C'est trop tentant. Ça se trouve, j'en aurai une autre d'ici là, hein. J'essaierai, pourquoi pas. Oui, parce qu'au début de chaque semaine, tu peux en avoir une. Demain, il y en a une. Oui, il faut juste faire une petite chasse. Bah écoutez, petits amis, on va s'arrêter là. Hein. C'est pas mal, c'est correct. Et donc, on vous dit à plus pour le prochain épisode qui sera donc en fait l'assaut. Tout simplement, qu'on n'a pas encore fait. Voilà. Eh bien, salut, et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.